Semaine du CNAM, succès sur toute la ligne. Une soirée dansante a été organisée à l'hôtel Carlton d'Anous à l'occasion de la clôture de la semaine du CNAM ou Conservatoire National des Arts et Métiers. Cette semaine a été un succès sur toute la ligne, à commencer par la conférence débat, puis la porte ouverte, ainsi que la sortie de la promotion composée de 50 étudiants. Ces nouveaux diplômés ont été formés suivant le système LMD et le diplôme qui leur a été délivré équivaut au diplôme d'État français, a précisé Mamra Bémil, président du conseil d'administration du CNAM. L'établissement forme des futurs experts comptables, entrepreneurs et ingénieurs en sciences industrielles et technologies de l'information. Le CNAM est présent dans plusieurs pays car il figure parmi les écoles créées au lendemain de la Révolution française au même titre que l'école polytechnique. D'autres événements sont prévus pour la célébration de l'anniversaire du CNAM le 20 décembre prochain.